الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله كلا سيت نو في كلا نو باردون كلا نو جيسان سيت سيو دراشيمي كلا نو زاكور سامي زيركور يسا غراس كلا نو زاكور توس لا سيانس اوتيل et une belle subsistance, qu'Allah nous aide à mieux l'adorer. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala encore plus car Allah nous a prolongé la vie jusqu'à aujourd'hui. Les cours étaient arrêtés à cause de notre voyage au Hajj.
et Allah facilite l'aller et le retour. Nous demandons à Allah d'accepter tout ce que nous avons fait. Qu'Allah accorde également le hajj à tout le monde. Qu'Allah nous donne l'année prochaine. Et que Allah donne le hajj à tout le monde, à chacun d'entre nous ici présents. Avec la grâce d'Allah et sa permission, Inch'Allah, nous continuons avec notre séance de tafsir. Nous sommes encore dans la sourate Al-Ma'ida, la table servie. Naam. Allah dit subhanahu wa ta'ala, « Yas'alunaka mada uhilla lahum » Et ça, c'est la quatrième ayah de surat al-Ma'ida. Allah dit, yas'alunaka, ils t'interrogeront, yas'alunaka, ils viendront t'interroger. Toi, le prophète, messager d'Allah, la parole est adressée au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, yas'alunaka, des gens viendront t'interroger. Yas'alunaka, tes compagnons, ils viendront t'interroger. Parce que, après la révélation d'ayah précédente où Allah a donné les aliments, surtout les bêtes qui sont interdits à consommer à un musulman, Allah il a dit « Harimat alaykum al-mayita ». Donc après avoir cité tout cela, Allah a limité, Allah a noté les aliments, les bêtes qui sont interdits à consommer, les viandes, les chairs qui sont interdites à consommer. Après tout cela, ils sont venus interroger le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lui demander « Mada wa hilla lahum ?» Après que Allah a interdit tout ce qui vient de passer, tout ce qui vient de citer, « Mada wa hilla lahum ?» Et en ce moment, qu'est-ce qui est licite pour nous? Qu'est-ce qui est permis à consommer en ce moment? Car Allah a donné ceux qui sont interdits. Yassalou Naka, ils viendront t'interroger. Ceux qui sont interdits sont les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, des musulmans. Mada uhilla lahum, en ce moment, qu'est-ce qui est licite pour eux? Ils veulent savoir ce qui est licite, comme ils savent déjà ce qui est interdit. Et donc, en matière de la religion, si, surtout en matière de la nourriture, ce qui est interdit est peu par rapport à ce qui est permis. Licite en matière de la nourriture est plus que l'illicite. Donc, dans le Coran, Allah nous cite les interdits, les aliments, la nourriture qui ne sont pas licites. Après cela, tout ce que Allah n'a pas dit, Allah n'a pas noté, Allah n'a pas cité, ça veut dire que c'est licite. Allah finit de dire les illicites en matière de la nourriture. Maintenant, cette question n'avait pas lieu d'être. Parce que Allah interdit, tout ce qu'Allah n'a pas dit, ça veut dire que c'est permis. C'est ça la règle en islam. En matière de la nourriture, ce qui est interdit, c'est ce qui est cité dans le Coran. Et c'est ce qui est cité dans les propos du prophète, alayhi salatu wassalam, parce que c'est peu. C'est ce qu'on peut dire, on peut énumérer. À part cela, tout ce qu'Allah n'a pas dit, que c'est interdit, tout ce qu'Allah n'a pas cité parmi les interdits en matière de la nourriture est permis. Mais quand même, ils sont venus demander pour se rassurer. Ils voudraient avoir encore plus d'informations, plus d'enseignements. Allah dit Yas'alunaka mada uhilla lahum. Ils viendront t'interroger qu'est-ce qui est licite pour eux en matière de la consommation de la viande. Naam. Parce que les bêtes qui sont mortes avant d'être immolées islamiquement sont citées. Celles qui sont tombées de haut, celles qui sont coignées, toutes celles-là sont interdites. En ce moment, ils demandent « Mada wa hilla lahum » qu'est-ce qui est licite désormais pour eux. Non. Allah dit « Qul uhilla lakum at-tayyibat » Allah dit au prophète, dis-le, وَحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. Toute nourriture saine est licite pour vous.
Et ça aussi, c'est une règle. À Tayyibat, toute nourriture saine, la nourriture qui n'est pas dangereuse à la santé, la nourriture qui n'est pas nuisible à la santé et à la foi. Mais tout ce qu'elle a interdit, ça veut dire que c'est dangereux et c'est nuisible à la santé et à la foi. C'est-à-dire, si vous consommez ça, les interdits d'Allah, hein, ça nuit votre santé et ça met en péril votre foi, votre croyance. Vous ne serez pas des vrais, vrais croyants. Et donc, les interdits, les haram là, ça joue sur la santé. Hein? Et ça nuit aussi à la foi. Non. Donc, Allah dit, « Uhilla lakum at-tayyibat » Toute nourriture saine est licite pour vous. Oui. Toute nourriture saine est licite pour vous. Mais comment est-ce que la nourriture devient saine? Il faut que ça soit... que la nourriture ne soit pas dangereuse à la santé. Que la nourriture ne soit pas dangereuse à la vie. C'est-à-dire toute nourriture qui met votre vie en danger est interdite dans l'islam. Toute nourriture qui met votre santé en danger, c'est interdit. Ce n'est pas sain. C'est pourquoi les bêtes qui sont mortes toutes seules, les bêtes qui sont mortes sans être immolées, sont nuisibles à la santé. On ne sait pas qu'est-ce qui a tué cette bête-là. La bête est tombée malade, il est mort. On ne sait pas quelle maladie l'a tué. Si vous consommez cette bête-là, ça peut vous rendre malade. Vous pouvez attraquer la même maladie. Donc il faut que la nourriture soit saine. Ça veut dire que ce n'est pas dangereux à la santé. Et que ça soit bien acquis. Que cette nourriture aussi soit bien acquise. C'est-à-dire que vous avez eu cette nourriture par une voie licite, par une voie permise en islam, c'est-à-dire l'argent que vous avez pris pour aller acheter cette nourriture-là, il faut que l'argent soit licite. Il faut que ça soit un bien bien acquis. Même si la nourriture est saine, la viande, hein, c'est bien immolé. Celui qui vend la viande, et c'est un musulman, il a bien immolé la viande, il a braisé. C'est sain. Maintenant, toi, tu viens acheter avec quel bien, quel argent? Si c'est avec un argent volé, c'est que la nourriture n'est pas saine. Islamiquement, ce n'est pas sain. Donc, même si ce n'est pas dangereux à ta santé, mais c'est dangereux à ta foi. C'est nuisible à la foi. Donc, il faut que ça soit bien, sain à consommer, sain aussi. C'est-à-dire permise en islam de le consommer. Voilà. At-tayyibat. C'est-à-dire, at-tayyibat, toute nourriture halal. En un mot, at-tayyibat, ce sont des nourritures halal. Halal, c'est quoi? C'est permise en islam à consommer. Oui, on sait déjà, viande de chair de mouton, poulet, c'est permis. Mais comment vous avez eu poulet là? Si c'est un poulet volé, c'est que ce n'est plus sain. Ce n'est plus une nourriture saine. Bien, c'est poisson. Hein? Poisson est sain. Poisson, c'est la viande du poisson, c'est saine. Vous avez, oui, poisson, là, poisson est permis à un musulman de consommer. Mais comment est-ce que vous avez eu ce poisson-là? Si c'est volé, ce n'est plus sain. C'est ça. Donc, à Tayyibat, le halal en islam, c'est qui ne met pas en danger votre santé et qui n'est pas nuisible à votre foi. C'est-à-dire que c'est halal, c'est permis, c'est halal, et vous avez eu ce halal-là par un moyen permis en islam. Donc, c'est une règle. « Qul ukhil lakum at-tayyibat » Toute nourriture saine. Ça veut dire que toute nourriture qui n'est pas saine, c'est interdite en islam. Ce qui est nuisible à la santé, ce qui met la santé en danger ou la vie en danger, c'est interdit. Donc c'est ça la règle. C'est à vous maintenant de pratiquer cette règle-là sur vos nourritures. Voilà. Quand on vient dire qu'il y a des choses qui sont interdites, il y a des gens qui viennent dire que non, c'est pas cité dans le Coran que c'est interdit. Hein? Par exemple la cigarette. Quand on dit la cigarette est haram, il y en a qui disent que non, la cigarette, Allah n'a pas dit dans le Coran la cigarette.
Donc ils veulent qu'Allah dise, même si Allah avait dit la cigarette là, ils allaient venir dire non, c'est pas Marlboro. Il faut forcément dire Marlboro, Craven, Coloise. Hein? Non, non. On n'a pas besoin de ça. Au temps du prophète d'aller sur la salade, il n'y avait pas la cigarette. Mais il y avait le tabac. Il n'y avait pas la cigarette. Hein? Donc ils ont fait fabriquer des cigarettes. Et même ils ont mis sur le fourreau des cigarettes là. Hein? Que c'est dangereux à la santé. Ça ne suffit pas. Une fois ils ont mis ça, ce n'est plus sain. Parce que Allah il a dit, oh, il a toute nourriture saine. Comment ça peut être sain et puis dangereux à votre santé? Tout le monde sait que la cigarette n'est pas saine. C'est dangereux. Donc, ça, ce n'est pas un argument pour dire que ce n'est pas cité dans le Coran. Non, le Coran, ce n'est pas un journal. Hein? Ce n'est pas un journal ni une plateforme de publicité. Non, non, non. Allah nous donne les règles. Allah dit « Wa yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'is » Il dit le prophète « Rend licite toute nourriture saine à vous et toute nourriture suée, dangereuse, est interdite. » Maintenant, toi tu vois la cigarette là, c'est dangereux ou bien c'est bon pour toi? Tout le monde est en ligne là-dessus, la cigarette, les dangers de la cigarette. C'est grave. On dit la cigarette tue 5 millions de personnes par an. 5 millions de personnes par an. En ce moment, c'est plus dangereux même que le corona. Mais les gens en vendent, ils consomment. Ils veulent que Allah dise, cigarette là, c'est interdit à nous. Non, parce que ce n'est pas une bonne nourriture. Même celui-même qui fume, il est conscient que ce n'est pas bon. Parce que si c'est une bonne nourriture là, si toi tu es chef de famille, si tu es envoyé, tu dois venir déposer les paquets de cigarettes à la maison. Tout le monde peut consommer. Parce que tu as amené sac de riz à la maison. Tu as amené sucre. Hein? Il y a bonnet rouge, il y a lait, en poudre, tout. Tu as mis tout à la maison. Les enfants, les femmes, tout le monde peut consommer. Mais pourquoi tu viens pas avec les paquets de cigarettes venir placer à la maison? Tout le monde n'a qu'à consommer. Toi même tu sais que c'est dangereux. C'est lui-même qui fume. Ici, il a vu son fils en train de fumer là. Il commence par faire parler avec lui d'abord. Maintenant, le fils va dire, papa, toi aussi tu fumes, non? Maintenant, il ne peut rien faire. Parce que tu ne peux pas interdire quelque chose que toi-même tu fais. Vous voyez? Donc, Allah dit, « Oul ukhil lalakum mutayyibat » Dis-le, toute nourriture saine, hein, bien acquis, halal, est licite pour vous. C'est fini. Donc en matière de nourriture de l'islam, nul n'a le droit d'interdire une nourriture sans que Allah n'a pas interdit, sans prix. Il y a une nourriture que tu ne sais pas, on sait que c'est une nourriture, tu ne sais pas, est-ce que c'est halal, c'est pas halal, tant que tu n'as pas de preuve que c'est haram là, il faut consommer. Voilà. Donc la base c'est que toute nourriture est permise, sauf ce que Allah a interdit. Non. C'est-à-dire en matière de nourriture, on consomme, sauf si on a la preuve que c'est interdit. Voilà. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Qala yas'alunaka madha uhilla lakum. Qul uhilla lakum at-tayyibat. Déjà, c'est une règle. Toute nourriture saine est licite pour vous. Naam. Wa ma 'allamtum min al-jawarih. Mukallibina tu'allimuna wunna mimma 'allamakum Allah. Et il est permis pour vous toute bête qui a été chassée par les carnassiers, les bêtes que vous envoyez à la chasse, que ce soit des chiens ou des tigres ou des aigles, parce qu'on chasse avec ces bêtes-là. Et donc, les chasses de ces bêtes-là sont permises à vous, à consommer en islam. Sont licites pour vous. Wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibin. Non. C'est un commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a pris cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit que désormais nous savons que la chair des chiens est interdite en islam. En islam, on ne consomme pas le chien. Mais ils gardaient des chiens, ils avaient des chiens. Ils font la chasse avec des chiens. Ils sont venus demander
qu'est-ce que nous avons fait avec les chasses, hein, les gibiers des chiens là, qu'est-ce qu'on fait avec? Et Allah il a répondu, وَمَا عَلَّمْتُ مِنَ الْجَوَارِخِ مُكَلِّبِينَ. Ce que vous avez, c'est carnassier que vous avez dressé. Vous avez dressé pour la chasse, que ce soit des chiens ou des tigres ou des aigles. Ce que vous avez dressé, vous l'avez formé, hein, à la chasse. Les chiens qui sont bien dressés, ils font des commissions même. Des chiens, ils sont intelligents, on les dresse, ils font beaucoup de choses. Des chiens, on l'envoie au marché, il fait marcher pour revenir. Hein? Donc on les dresse pour la chasse. Alors les chiens qui sont dressés pour la chasse, que vous-même vous l'avez dressé, les chiens qui vont à la chasse, qui vont chasser avec leurs organes, avec leurs ongles, leurs gifles. Hein? Ils vont chasser avec leurs gifles et leurs dents. Allah dit, « وَمَا عَلَّمْتُ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ » C'est là, vous pouvez consommer leur chasse. C'est-à-dire les bêtes qui vont chasser pour vous, pour attraper pour vous, les bêtes-là sont licites à consommer. نعم وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. La condition est que les chiens qui vont à la chasse là, il faut que ce soit votre chien que vous avez dressé et vous l'avez envoyé à la chasse. Le prophète sallam il a dit: "إذا أرسلت كلبك المعلم فكل فأمسك فكل." Et si tu as envoyé ton chien bien dressé à la chasse, alors, c'est que le chien va attraper. Hein? La chatte des chiens, là, le prince Ram dit, consomme-le. Si le chien allait attraper pour toi. Mais les savants, ils ont mis des conditions. Hein? La chatte des chiens, il faut que le chien soit d'abord dressé pour cela. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que le chien là, aille attraper pour toi, mais pas pour lui-même. Parce que les chiens qui sont bien dressés là, si tu l'envoies, il s'en va. Tu dis arrête, il s'arrête. Tu dis chaud, il s'en va. Tu dis arrête, il s'arrête. Donc ce chien est bien dressé. Même si le chien, il est bien dressé, il veut poursuivre une bête, tu lui dis arrête, il ne va plus. Si tu l'envoies, il s'en va. Si tu l'interdis, il s'abstient, c'est le chien là qui est dressé. C'est ce chien là qu'on consomme, ça chasse. En connaissant que le chien a chassé pour toi. Pas, le chien n'a pas chassé pour lui-même. Parce que le chien, s'il a faim, il est assis, il peut aller chasser. Toi, tu allais trouver ton chien avec une bête qui l'a chassé. Mais toi, tu ne l'as pas envoyé. Donc si la bête est morte, toi tu ne peux pas consommer. Est-ce que vous comprenez cela? Le chien avait faim. Il est assis, toi tu ne l'as pas envoyé. Il a vu une bête, hein, un animal. Et le chien est directement allé chasser ça. Mais toi tu ne l'as pas envoyé. Donc, cette bête qu'il a chassée là, si tu trouves la bête avec lui qui n'est pas encore morte, si tu as immolé, tu peux consommer. Mais si la bête est morte, c'est ça. Si la bête est morte dans sa main, le chien allait chasser, avant de l'amener vers toi, la bête est morte. Est-ce que cette bête-là, on peut consommer? Allah, il a dit, « وَمَا عَلَّمْتُمْ الْجَوَارِ مُكَلِّبِينَ » تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. Il dit consommez ce que ces carnassiers là ont chassé pour vous. Ma amsakna alaykum, ils ont chassé, ils ont attrapé ces bêtes là pour vous, mais pas pour eux-mêmes. Parce que s'il a attrapé pour lui, hein, il va manger. Le chien bien dressé là, s'il allait attraper pour lui-même, il mange. Mais s'il l'a attrapé pour toi, c'est toi qui l'as envoyé à la chasse, il a poursuivi. L'animal, il a eu, il a attrapé. Même s'il a faim, il ne va pas manger.
Parce qu'il est bien formé, il est éduqué, il est bien dressé. Ce n'est pas un chien voyou. Hein? Voilà. Mais si c'est un chien voyou là, il prend, il mange. Même si tu l'as envoyé là, lui il va attraper bête là-bas et puis il va aller encore plus loin pour aller consommer, manger. Le reste là-bas, tu vas trouver. Non, ce n'est pas ce chien-là. Mais si le chien est dressé, bien éduqué, le chien là, même s'il a faim, il va attraper la bête, hein? L'animal là, il va l'amener chez toi. Avant que toi tu trouves l'animal, si l'animal est déjà mort, est-ce que tu peux consommer ou pas? Tu peux consommer, mais à une condition. La condition est que, en envoyant le chien, on dit Bismillah. Hein? On évoque le nom d'Allah en envoyant le chien. Donc si tu as envoyé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ. Il dit, si tu as envoyé ton chien bien dressé pour aller poursuivre un animal, une bête, et que tu as évoqué le nom d'Allah en la voyant, c'est ça la condition. Tu dis, Bismillah, Bismillah. Donc il est parti. S'il a attrapé la bête, même si la bête est morte, tu peux consommer. Et c'est qu'Allah dit, فَقُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ وَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. Et évoquez le nom d'Allah lorsque vous envoyez, hein, le chien. Ou même si c'est l'aigle. Hein, aigle aussi va chasser. Il dit, Bismillah, tu l'envoies. Il va chasser des lapins pour emmener. Hein, voilà. Donc, en l'envoyant, si vous évoquez le nom d'Allah, vous dites Bismillah, même si la bête est morte dans sa mère, vous pouvez consommer. C'est halal, c'est licite pour tout. Mais si vous avez attrapé la bête, l'animal n'est pas encore mort, vous l'immolez au nom d'Allah. Allah dit, Wazkur ismallah alayh. Immolez le nom d'Allah, hein, sur la bête. Naam. Et consommez. Naam. Wa ma allamtum min al-jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah. Hein? C'est-à-dire que ces chiens-là, on peut les dresser, hein, les former. On les enseigne. Les chiens là. Naam. Allah dit, Fakulu mimma amsakna alaykum wa zkuru isma Allah alayhi wa taqullah. Et Allah dit, créez donc Allah, inna Allah sari' al-hisab. Cet Allah est prompt, hein, dans le compte. C'est-à-dire, le compte d'Allah est très rapide. Hein? Allah va nous rendre nos comptes. Nous allons, Allah va donner, régler le compte de chacun d'entre nous. Mais le compte d'Allah est très rapide. Le règlement du compte d'Allah, c'est très rapide. Inna Allah sari'ul hisab. Dès que vous mourrez net, Allah règle son compte avec vous. Inna Allah sari'ul hisab. Donc craignez Allah. Ce que Allah interdit, ne consommez pas. N'allez pas aux interdits d'Allah. Ne dépassez pas les limites d'Allah. Et là, ce sont des limites. Voici les nourritures qui sont saines pour vous à consommer. Voici les nourritures qui sont interdites, qui sont suées, qui ne sont pas saines, vous ne devez pas les consommer. Voici ce qui est permis, voici ce qui est interdit. Et Allah dit, Wattaqullah, craignez Allah. C'est celui qui craint Allah qui s'abstient des interdits d'Allah. C'est celui qui craint Allah qui demande, est-ce que cela c'est halal ou bien c'est haram? C'est ça. C'est celui qui craint Allah qui choisit, hein, qui vérifie d'abord sa nourriture. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est sain? Mais celui qui n'a pas la crainte d'Allah, il mange tout, sauf ce qu'il n'a pas eu. Il y a des gens là, il n'y a pas haram chez eux. Ce qu'il n'a pas eu là, c'est ce qui est haram. Ils prennent l'argent comme ils veulent. Ils cherchent l'argent n'importe comment. Et ils veulent seulement avoir de l'argent. Est-ce que cette affaire-là est licite? Est-ce que cette affaire-là, cette vente-là est permise en islam? Est-ce que moi, c'est permis de vendre cette matière? C'est ça. Mais celui qui craint Allah, celui qui demande, est-ce que cette activité est permise en islam? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Il demande d'abord avant d'agir. Il demande d'abord avant de s'engager. Fattakullah. Si vous ne savez pas, vous devez demander à ceux qui savent. Fassalu ala zikri kuntum la ta'lamun. Le croyant n'est pas...
n'est pas hasard. Le Coran n'est pas hasard. Tout ce qu'on fait là, on cherche à savoir est-ce que c'est permis ou pas. Non. Alors, il dit, « Allah, sari'ul hisab. » Ici, il y a une leçon à tirer pour dire que ceux qui savent ne sont pas pareils avec ceux qui ne savent pas. Alors, il dit, « Hal yastawi alladhina ya'lamun wa alladhina la ya'lamun. » Est-il pareil, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Non. Ceux qui savent ne sont pas pareils avec ceux qui ne savent pas. Donc, il faut être parmi les savants. Cherche à savoir. Cherchez le savoir. Cherchez la science. Parce que celui qui sait là, il est plus que celui qui ne sait pas. Ils ne sont pas égaux. Ceux qui savent sont toujours au-dessus de ceux qui ne savent pas. Même dans la vie courante, celui qui sait, il connaît. Celui qui allait à l'école n'est pas pareil avec celui qui n'a pas allé à l'école. Hein? Donc celui qui n'a pas allé à l'école n'est pas semblable à celui qui allait à l'école. Celui qui sait n'est pas comme celui qui ne sait pas. Entre les humains, ceux qui savent, ceux qui sont au-dessus. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Cherchez la science. Tu veux être au-dessus de tout le monde. Tu veux dépasser tout le monde là. Cherche la science. Donc, ça c'est l'importance de la science. Même parmi les animaux qui savent, ils ne sont pas pareils avec les animaux qui ne savent pas. Même les chiens. Vous voyez, le chien bien dressé, le chien bien éduqué, le chien qui est à l'école là, hein, ça chasse là. On consomme en islam. Mais le chien vagabond là, on mange, on consomme pas sa chasse. Hein? Le chien qui allait à l'école, c'est lui sa chasse là qu'elle ici dans l'islam. Mais le chien vagabond, chien de la rue là, non, non, non. Lui, s'il a chassé là, c'est pas ici dans l'islam. C'est-à-dire, même entre les chiens, la science prévaut. Le savoir. Quel que soit ton rang, cherche à savoir pour être meilleur. Hein? Donc, on consomme la nourriture et la chasse des chiens qui sont bien dressés, qui sont éduqués, qui savent. Le chien qui est bien informé, bien formé. Non. C'est pareil aussi chez les hommes. En matière même de la religion, l'islam. Si vous posez des questions, si vous cherchez des fatwas, prenez des fatwas qui sont savants. Demandez la fatwa qui sont savants. La fatwa des savants, c'est ce qu'on a, on prend. Ceux qui savent, ceux qui connaissent le Coran et la Sunna, ceux qui ont appris la religion musulmane, hein? Des savants, tout le monde sait qu'ils sont savants. Hein? Ils ont des attestations pour dire qu'ils sont savants. Ils ont des permis pour dire qu'ils connaissent. Ça, c'est là qu'il faut demander sa question. Il ne faut pas demander la question à n'importe qui. Tu vois quelqu'un, il a porté boubou, il a un gros turban, tu lui demandes. Tu le connais? Donc, il ne faut pas poser ta question à n'importe qui. Avant de demander question religieuse à un imam, à un quelconque, il faut que tu saches qui il est. Il a reçu quelle formation? Il s'est formé où? Il a appris quand? Il a quel diplôme? Oui. Il a quelle attestation? Il a appris où? Qui l'a enseigné? C'est ça. Vas-y, tu prends fatwa de quelqu'un qui ne connaît pas là. Même s'il dit, il dit qu'il est savant. Tu prends fatwa de quelqu'un qui ne connaît pas, c'est comme tu as consommé la chasse d'un chien vagabond. Voilà. Donc avant de demander ta question religieuse là, il faut demander qui est l'imam là. Il a appris où? C'est pas tout le monde qui sait. Et c'est pas tout le monde qui peut donner fatwa. Mais c'est facile, tout le monde peut devenir imam. Mais je vous dis, c'est pas tous les imams qui sont savants. Chez nous ici là, il n'y a pas de règles.
n'y a pas de contrôle. N'importe qui, il porte boubou, il dit qu'il est imam. Hein? Hein? Celui qui sait parler, les griots, ils sont tous des imams aujourd'hui. Celui qui est élégant, il parle bien le français, il est grand imam. On t'a dit le Coran en français. Hein? Vous allez trouver des imams, ils ne comprennent même pas l'arabe. Moi, ça m'étonne, ça, non? C'est chez nous aussi, on voit. Les imams qui ne comprennent pas l'arabe. Hé, ça, c'est quel type d'imam? Un imam, mais il ne comprend pas l'arabe. Mais, c'est comme un pasteur qui ne comprend pas français. Vous avez une fois vu ça. Un pasteur, il ne comprend pas français. Il ne sait pas lire ni écrire en français. Un prêtre ou un pasteur, vous avez vu ça? Mais en islam, on trouve ça. Un imam ne comprend pas l'arabe. Il ne sait pas lire le Coran. Aïe! Non, je ne vais pas donner de mauvais exemple, mais c'est comme chien qui est allé à l'école et chien qui n'est pas allé à l'école. L'imam qui ne peut pas parler, l'imam qui ne comprend pas français là, lui, il ne va pas lui poser la question. Il n'est pas bien formé. Il n'est pas bien formé. Parce que tu ne peux pas comprendre l'islam sans la langue arabe. Il ne faut pas on va se blaguer, il ne faut pas on va se flatter. Ça c'est clair, c'est moi qui le dis, j'assume. Et je suis responsable. On ne peut jamais comprendre l'islam sans comprendre la langue de l'islam. La langue officielle de l'islam, c'est arabe. La langue du Coran, c'est arabe. La langue de la Sunna, c'est arabe. Les hadiths là sont en arabe. Les livres de fiqh, de jurisprudence, tout, c'est en arabe. C'est maintenant qu'on va commencer à traduire. Le Coran traduit là. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il ne faut pas dire tout est traduit. Tu n'es pas encore traduit. Hein. Tu n'es pas encore traduit. On vient de donner le Coran traduit là. C'est même pas Tafsir du Coran. Le Coran traduit là. C'est essai. Et même j'ai écrit. Ça ne vaut pas la tradition. Ça ne vaut pas le Tafsir du Coran. Et ce n'est pas tous les hadiths aussi qui sont traduits. Ce n'est pas tous les livres en islam qui sont traduits. C'est même si c'est traduit, celui qui connaît l'original, avec celui qui prend la tradition là, qui est meilleur? Hein? Oh, c'est l'original. Celui qui a traduit là, c'est l'idée de celui qui a traduit que toi tu suis. Le traducteur là, c'est son idée que tu suis. Tu vas avoir d'autres traductions aussi. Souvent, ce ne sont même pas les mêmes. Les traditions sont faites pour en tout cas, approcher hein, la compréhension. Sinon, ça ne suffit pas. Tu veux apprendre le Coran, on apprend le Coran avec la langue arabe. Le Coran est révélé en arabe. Donc, celui qui comprend l'arabe, celui qui peut mieux comprendre le Coran par rapport à celui qui ne comprend pas l'arabe. Donc, l'arabe, c'est la langue officielle de l'islam. Si tu veux être prédicateur, tu veux être imam surtout, tu veux enseigner les gens, hein, en islam là, toi il faut apprendre. Il faut apprendre d'abord. Mais la langue d'apprentissage en islam là, c'est l'arabe. Il faut comprendre l'arabe pour comprendre la sunna, pour comprendre le Coran et pour comprendre la sunna. Non. Donc moi, je ne suis pas d'accord et ça me gêne des gens qui se proclament imam, grand imam, grand imam, il ne peut même pas parler en arabe. Mais t'as là, ça peut égarer les gens. Et tout le monde peut apprendre le Coran. Tout le monde peut apprendre le Coran. Tout le monde peut apprendre le Coran. La langue arabe n'est pas compliquée. On peut apprendre. Tout le monde peut apprendre la langue arabe. Tout le monde peut apprendre le Coran. Voilà. Donc, tout le monde peut devenir imam. Hein. Mais tous ceux qui ne comprennent pas l'arabe là, je ne sais pas comment ils sont imams. Tu veux être imam, il faut apprendre. Il faut apprendre le Coran. Il faut apprendre les hadiths. Il faut apprendre les fiqh. Tout cela, c'est en arabe. Apprends l'arabe, et puis le temps de traduire là, si tu as déjà l'arabe, tu avances. Hein? La traduction ne suffit pas. C'est ce que je veux dire. Non. On a le Coran traduit, mais c'est une seule volume, c'est ça? Alors qu'il y a des livres de tafsir. Hein? Livre de tafsir, le plus grand livre de tafsir aujourd'hui, c'est le tafsir de Tabari.
Ça fait 30 tomes. 30 tomes. Comme ça, là, 30 fois. Et Imam Tabari, rahimahullah, lorsqu'il avait, pris l'intention de faire des mains un tafsir du Coran, il avait un projet de 300 tomes. 300. 300 volumes. Il dit, il veut faire ça. On a dit, cher, si tu fais ça, personne ne va lire ton livre. Parce que les gens, ils sont paresseux. Une fois c'est trop, ils ne vont pas lire. Donc, il a réduit, il a diminué et il s'est limité à 30 tomes. 30 tomes, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Ce n'est pas tous les apprenants qui ont ça. Ce n'est pas tous les imams qui ont ça. Même ces mêmes qui ont ça, c'est rare de trouver quelqu'un qui dit qu'il a tout lu. Si tu as besoin de ça, c'est comme des recherches. Tu vas aller faire tes recherches. Qu'est-ce que l'imam Tabari l'a dit par rapport à cette aïe, c'est tout. Vous voyez? Donc, quand on donne la bonne compréhension. Naam. Allah dit, Al-Yama Uhilla lakum al-tayyibat. Alors aujourd'hui, la bonne nourriture sont licites pour vous. Uhilla lakum al-tayyibat. Et ça ne suffit pas. Allah est en train de donner encore les nourritures qui sont permises. Naam. Al-Yama Uhilla lakum al-tayyibat. Wa ta'amu alladhina utul kitab ahillun lakum. Alors aujourd'hui, les bonnes nourritures sont licites, sont permises à consommer. Naam, pour vous. Wa ta'amu alladhina utul kitaba min qablikum. Wa ta'amu alladhina utul kitaba halal lakum. Il dit l'aliment, la nourriture de ceux qui ont reçu le livre avant vous, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Leur nourriture sont permises à vous. C'est-à-dire vous les musulmans, vous pouvez consommer la nourriture des juifs et des chrétiens. Wa ta'amu alladhina utul kitaba. Ah, ça c'est une facilité. On peut consommer la nourriture de ceux même qui ne sont pas musulmans, mais en condition qu'ils soient des juifs ou des chrétiens. Et quel genre de nourriture? Il s'agit de leur immolation. Si on a checké là, tout le monde mange. Hein? Ça veut dire la bête qui ils immolent. Sinon, riz là, on n'immole pas. Un musulman, il a préparé riz. Ce n'est pas différent de riz préparé par un non-musulman. C'est le même riz. Parce que le riz est déjà licite pour nous. Sauf le riz volé. Hein? Le riz est déjà. Donc, il a consommé. Un musulman a préparé le riz. C'est même qu'un non-musulman a préparé le riz. Mais ici, Allah parle de la nourriture de l'immolation. C'est-à-dire un chrétien, il a égorgé un poulet, ou bien un mouton, hein? Ou bien un bœuf, un chrétien, ou un juif l'a immolé, le musulman peut consommer. C'est-à-dire la nourriture de ceux qui ont reçu le livre avant vous, et ceux qui ont reçu le livre, les juifs et les chrétiens, leur nourriture sont licites. Pour vous. Hillul lakum. C'est Allah qui l'a rendu licite. Voilà. Naam. Il ne faut pas chercher à savoir comment ils ont immolé. Ils ont fait. Allah, il a dit que c'est permis. Si tu as faim là, il faut manger. Si tu n'as pas faim là, il faut partir. Hein? Allah l'a déjà rendu licite. Wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum. Et donc, il dit, Allah dit, les nourritures sont permises, sont licites pour vous. Mais les nourritures qui sont licites aussi en islam, hein, parce que un, ils ne respectent pas tout ce qui est dans les livres. Voilà, ils ne respectent pas tout ce qui est dans les livres. Même aussi chez les musulmans, combien de musulmans respectent tout ce qui est dans le Coran? Hein? Mais il y a des choses, tout ce qui est interdit dans le Coran, là, c'est interdit dans la vie. Tout ce qui est interdit dans le Coran, c'est interdit dans la Torah. Les interdits en islam chez les musulmans, là, ce sont les mêmes interdits dans la Bible et dans la Torah. Donc, l'alcool n'est pas permis. L'alcool n'est pas permis. Ni dans le Coran, ni dans la Torah, ni dans l'Évangile. Donc, quelqu'un qui consomme l'alcool là,
Si c'est un musulman, c'est pas un bon musulman. Si c'est un chrétien, c'est pas un bon chrétien. Si c'est un juif, c'est pas un bon juif. Donc, les nourritures qui sont l'alcool, là, ce n'est pas dedans. Une bête qui est morte sans être immolée, c'est interdit dans le Coran, dans l'Évangile, dans la Torah, dans la Bible. C'est pas ça. Le vol, la voler, l'argent, la voler, la nourriture, là, c'est interdit dans le Coran, dans l'Évangile, dans la Bible. Donc, les nourritures qui sont permises en Islam, qui n'est pas djufa, hein, qui n'est pas l'alcool, qui n'est pas volé, hein, voilà. Allah dit, ta'amu, ta'amu, les mêmes autres qui t'aiment, hillul lakou. Voilà. Même s'ils ont préparé, même s'ils ont immolé, c'est-à-dire ce que les gens ne savent pas, même si un chrétien il a égorgé un poulet là, un musulman l'a peut consommer. Sauf si le poulet là est interdit. Oui, il y a des poulets qui sont interdits. Hein? Il y a des poulets aussi qui sont interdits. Poulet ou volé là, c'est interdit non? Interdit. Hein? Voilà. Poulet volé interdit. Ce qui n'a pas volé là, que ce soit c'est un musulman qui l'a égorgé, ou bien c'est un chrétien, un juif pratiquant. Voilà, il faut ajouter ça aussi. Qui sont pratiquants. Parce que chez eux, il y en a qui sont pratiquants, il y en a qui ne sont pas pratiquants. Mais en islam, là, ça n'existe pas. Hein. En islam, ça n'existe pas. Je suis musulman, mais non pratiquant. Tu es kafri. Il n'y a pas l'islam sans pratique. Tu pratiques l'islam, tu es musulman. Tu ne pratiques pas l'islam, tu n'es pas musulman. Mais chez eux là-bas, comme il y a des pratiquants et non pratiquants, mais Allah parle des pratiquants. Ah ah. Wa ta'amul ladhi qui respecte ce qui est dans la Torah et dans l'Évangile. Ah ah. Donc les nourritures là, ceux qui ne consomment pas l'alcool, la nourriture des chrétiens qui ne consomment pas l'alcool. Sinon, s'il a préparé sa nourriture, il a déposé à table. Sur la même table, il y a l'alcool. Un musulman ne doit même pas s'asseoir là-bas. La plus forte raison de manger. La table où on sert l'alcool là, le musulman est interdit à s'asseoir là. Non. Donc même dans les restaurants où tout est mélangé là, non, la table là, s'il y a l'alcool sur la table, là, il ne faut plus t'asseoir là. Il faut aller t'asseoir à côté. Non. Et donc, Allah parle de leur nourriture qui ne sont pas interdits en islam. C'est ça. Hein? Donc, même si c'est poulet, mais ce n'est pas tous les poulets qui sont permis. Poulet volé, là, ça c'est haram. Chez les musulmans, même chez eux aussi. Et les poulets qui sont immolés, qui sont égorgés à l'occasion de leur fête, sont interdits aussi. Il faut qu'on ajoute ça. Parce que si les fêtes commencent, Noël, 31, vous les musulmans, vous n'avez jamais mangé. Vous êtes dedans, ils sont bien mangés, on ne peut pas manger. Poulet, les bêtes qui sont immolées à l'occasion des fêtes des chrétiens, des fêtes non musulmanes là. Même si c'est un imam qui l'a égorgé, c'est haram. Les poulets de Noël là, même si c'est un imam qui l'a égorgé, c'est haram. Les poulets de Jean 31, là, Saint-Sylvain, même si c'est un imam qui a immolé, c'est haram. Même si on a préparé à la mosquée, c'est haram. Voilà, parce qu'il y en a qui disent que non, c'est la fête à tout le monde faut fêter, non? Que non, que c'est la naissance de Jésus, non, Jésus c'est notre prophète, oui, Jésus c'est notre prophète, nous croyons en lui en tant que prophète, hein? Voilà, mais Noël là, c'est pas sa naissance, parce que lui-même il n'a même pas fêté Noël. Lui-même n'a pas fêté Noël. Non, c'est pas à cause de Jésus. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, en matière de nourriture là, c'est clair, la nourriture qui ne sont pas interdites à nous, on peut les consommer. Même si c'est eux-mêmes qui ont mangé. C'est-à-dire en dehors de leur fête. En dehors de leur fête, il a une réception chez lui, il a eu une promotion, hein? Il veut fêter, il fait une réception, vous êtes ses collègues, il vous invite là. Il est nommé, hein? Ministre, ambassadeur, il est nommé, il vous invite. Il est élu président, il vous invite. Même si c'est lui, chrétien, même qui est immolé, B là, nous les musulmans, on peut consommer. C'est clair? Mais si la bête a été immolée à l'occasion d'une fête chrétienne, une fête juive, une fête non musulmane là, même si c'est l'imam qui l'a égorgé, c'est haram.
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. Et Allah il a dit, la nourriture de ceux qui ont reçu le livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, sont licites pour vous. وطعامكم également votre nourriture, vos aliments, votre nourriture, حل لهم, est licite aussi pour eux. Elle est licite pour eux. Donc on peut manger même ensemble. Tu as un ami qui n'est pas musulman, hein, mais il est chrétien, il est juif. On pourrait manger ensemble. On t'a mon commission le long. Et puis vous pouvez manger ensemble. Hein? Hein? Mais avant, on disait que non, celui qui n'est pas musulman, il ne faut pas manger avec dans la même assiette. Non, ça c'était avant quoi. Ça c'est avant. Hein? Alors, mais maintenant, on veut manger ensemble. Hein? Parce qu'avant, ils avaient peur de lui. Ils disent que, bon, avant, si tu manges avec lui, il peut t'empoisonner. C'est à cause de ça. Sinon, il n'y a aucun test qui intervient ici-là. Hein? Alors, sinon, on peut manger ensemble. Celui-même qui a une femme chrétienne, mais tu peux manger avec ta femme. Et ça va venir, la même Aya nous permet cela. Hein? Allah dit Nam, Wata'am ulazina utri kidaba hilulako. Wata'amukum hilulako. On peut consommer leur nourriture. Et aussi, nos nourritures sont licites pour eux. C'est bien, non? Tout le monde aime ça. Allah va ajouter encore. Allah dit Wal mursanatu minal mu'minat. Les femmes vertueuses parmi les croyants. Les femmes vertueuses croyantes parmi vous, les musulmans, vous pouvez les épouser. Les femmes vertueuses. C'est en matière maintenant de mariage. Un musulman, il peut épouser une femme musulmane, ça c'est clair. Mais ce n'est pas ce qu'Allah veut arriver. Allah dit, « وَطَعَمُكُمْ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ » Les femmes vertueuses parmi les croyantes sont licites à vous, sont permises à vous pour marier, pour mariage. Vous pouvez les marier, vous pouvez les épouser. Et Allah dit encore, وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Et la femme, les femmes vertueuses parmi les juifs et les chrétiens, la femme, les femmes vertueuses de ceux qui ont reçu le livre, وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. C'est-à-dire les femmes juives et les femmes chrétiennes, vous les musulmans, les mariages sont licites à vous, sont licites pour vous. C'est-à-dire un musulman, un homme musulman, peut épouser une femme chrétienne ou bien une femme juive. C'est Allah qui l'a permis. C'est clair, non? Ça vous plaît, non? Mais il y a des conditions. Ah, donc Allah il a dit, on peut manger leur nourriture. Voilà. Si on ne pouvait pas manger sa nourriture, on ne pouvait pas l'épouser. Et si tu épouses une femme, quelqu'un ne peut pas manger sa nourriture, comment vous allez faire? Ah, voilà. Donc Allah il a dit, la nourriture de ceux qui ont reçu le livre sont licites pour vous. Et vos nourritures sont licites pour eux. Ça, c'est fini en matière de nourriture. On rentre maintenant en matière de mariage. Allah dit vous, les hommes musulmans, il est permis pour vous d'épouser des femmes vertueuses parmi les croyantes. Et il est également licite, permis pour vous d'épouser des femmes vertueuses parmi ceux qui ont reçu le livre avant vous, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. C'est clair là, c'est le Coran, ça c'est pas une interprétation de quelqu'un, c'est pas une hadith, c'est le Coran même qui a rendu ça licite. En islam, un homme musulman peut épouser une femme chrétienne ou juive. C'est clair. On peut manger aussi leur nourriture, ils peuvent manger notre nourriture. Mais en matière de mariage là, nous on peut épouser leurs femmes, mais elles ne peuvent pas épouser nos femmes. Si tu trouves que ce n'est pas juste là, ce n'est pas obligatoire. Hein? Si vous trouvez que ce n'est pas juste, est-ce que c'est obligatoire? Ce n'est pas obligatoire que chacun reste dans son chacun. Ou bien? Ah, est-ce que les filles musulmanes sont déjà filles? Elles sont plus nombreuses même que les autres. Hein? Voilà, donc si tu veux mener le débat ici, là, nous on rentre pas dans le débat. On dit que ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez, là, vous nous donnez, nous on prend, mais nous là, on ne vous donne pas. Hein. Si vous ne voulez pas, chacun garde sa fille, chacun garde sa sœur.
les cousins et les cousines. C'est clair. Oh bien. Les cousines sont faites pour les cousins, non? Ah, c'est ça. Donc c'est clair, c'est le Coran qui a déterminé, c'est pas nous. Ah ah. Non, on ne peut pas interdire ce que le Coran a rendu licite. On ne peut pas rendre licite ce que le Coran aussi a interdit. Allah dit wa ta'amu kum khaylul lakum wa ta'amu alladhina utul kitaba khaylul lakum wa ta'amu kum khaylul lakum wal musannatu minal mu'minat wal musannatu minal ladhina utul kitaba min qablikum. Donc les femmes chrétiennes, les musulmans, des hommes musulmans peuvent les épouser, mais il y a des conditions. C'est pas comme ça, hein? Il y a des conditions. La première condition, il faut qu'elle soit vertueuse. Il faut qu'elle soit vertueuse. Elle soit vertueuse comment? C'est-à-dire que ça soit une femme correcte, honnête, hein? Qui ne commet pas de l'adultère ni la fornication. Une fois qu'elle a déjà commis l'adultère ou la fornication, elle est exclue. Cette femme-là, un non-musulman ne peut pas l'épouser. Ah ah, c'est ça. Maintenant, notre problème, c'est que nous vivons avec elle. Et puis après, maintenant, bon, on a dit qu'on peut marier. Non, toi, tu n'es pas dedans. Toi, tu es exclu. Et puis elle aussi, elle est exclue. C'est ça. Une fois, toi, tu as commis l'adultère ou la fornication avec elle, toi, tu ne peux pas l'épouser. Elle aussi, un homme musulman ne peut pas l'épouser. Est-ce qu'on sait ça? Non, on va seulement, on va faire concubinage, on vit ensemble, et souvent il y a des enfants, et puis on va dire non, on a dit c'est même pas interdit l'islam, non, 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 il y a des conditions. Il veut que ça soit une femme, une fille correcte, qui n'a jamais commis l'adultère ni la fornication. Mais notre problème aujourd'hui, c'est qu'on ne va jamais chercher, on ne va jamais dire on va épouser cette fille-là tant qu'on n'a pas vécu ensemble. C'est ça là, c'est pas permis. Allah l'a dit, « Wal-Muhsanat ». Il veut qu'elle soit vertueuse. Une femme vertueuse, là, c'est celle qui n'a jamais commis l'adultère ni la fornication. Non. Là, c'est la première condition. « Wal-Muhsanat min alladhina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahunna. » La deuxième condition, si vous leur donnez leur dot, il faut forcément donner la dot. Voilà. La dot, c'est l'argent qu'on donne à une femme, hein, pour l'épouser. Ça, c'est la dot. Avant de partir avec une femme, il faut forcément donner l'argent, qui est la dot. Cet argent, on l'appelle la dot. Allah dit, si vous leur donnez leur dot. Hein, maintenant, ceux qui ne comprennent pas, qui ne maîtrisent pas la charia, l'islam, ils vont venir dire comme ça, interprétation directe, pour dire, si vous leur donnez leur salaire, oh, ce n'est pas salaire. Si c'est salaire, c'est que c'est prostitution. C'est ça? Voilà. Prostituée, là, tu lui donnes l'argent, c'est son salaire. Mais si c'est mariage, ce n'est pas salaire. Mariage, on dit la dot. Si j'avais un contrat de mariage, l'argent, là, on dit la dot. Mais si c'est fornication, prostitution, tu donnes l'argent, c'est son salaire. Allah ne parle pas de ça, il parle de la dot. Il faut forcément donner la dot. Vous leur donnez la dot avec un contrat de mariage. Avec un contrat de mariage. Ah, c'est la deuxième condition. Mohsinina, il faut que vous-même, vous qui voulez épouser la femme chrétienne ou juive là, vous-même, vous avez aussi des charges. Il faut que vous soyez sérieux, vous-même. Mohsinina. Il faut que toi aussi tu sois vertueux. Mais une fois toi tu es sorti avec elle, toi tu es vertueux. Elle est vertueuse. Vous n'êtes pas dedans. Toi, il faut aller chercher une autre femme. Elle aussi va aller chercher un autre mari. La seule condition pour ce cas, si elle se convertit en islam. C'est-à-dire, on dirait que je suis en train de donner des portes de sortie. Hein? Hein? Mais ça ne fait rien. S'il y a un cas comme ça, il y a un cas comme ça, un homme musulman, il vivait avec une femme chrétienne. Ils ont eu des enfants.
Est-ce que cet homme-là peut marier cette femme-là? Non, on a dit, ce n'est pas possible. Parce que lui n'est pas vertueux, elle aussi n'est pas vertueuse. Mais la seule condition, il faut qu'elle se repentisse en islam. Si elle rentre en islam, elle se convertisse en islam, c'est que la conversation en islam efface tout ce qui est passé. En ce moment, un autre homme musulman peut l'épouser parce qu'elle est devenue musulmane. Ce bonhomme-là aussi, lui aussi, il doit se repentir. Hein? Donc, si les deux se repentissent, Inch'Allah, ça peut passer, ça peut marcher. Mais le Coran dit, il faut que l'homme soit vertueux, qui n'a jamais commis l'adultère. Il faut que la femme aussi soit vertueuse, qui n'a jamais commis l'adultère ni la fornication. C'est les deux, c'est ce genre de femmes musulmanes et chrétiennes qu'un homme musulman peut épouser. Vous-même qui voulez épouser cette dame-là, que vous soyez, morsinina, des gens sérieux, vertueux. Ghaïra musafirina, que vous ne soyez pas des débouchés. Voilà, mutakhidi, akhdan, ne faites pas comme vous cherchez des amantes. Parce que quand on donne l'argent, on peut avoir une femme. L'argent, pour avoir une femme, il faut donner l'argent. La femme même n'écoute rien aujourd'hui même. Mais ce n'est pas tout l'argent qu'on a donné à une femme qui rend la femme la licite à vous. Il y en a qui donnent l'argent à cause du mariage. Ceux-là, ils sont morcelines. Ils sont honnêtes et sérieux. Moussafirine, ceux qui donnent l'argent à une femme pour passer un jour ou deux jours avec elle. Voilà, Moutekhidi Akhdan, il y en a aussi qui prennent des femmes comme des amantes. C'est-à-dire, elle est là, ils s'occupent d'elle. Voilà, ils sont tous ensemble. C'est-à-dire, et je ne sais pas comment ils sont, ils font la fidélité dans l'infidélité. Il y a ça aussi. Je ne sais même pas comment. Ils font la fidélité dans l'infidélité. C'est-à-dire, ils ne sont pas mariés, mais la femme-là, elle est fidèle avec lui. Alors qu'ils ne sont pas encore mariés. Ça, c'est la fidélité dans l'infidélité. Je ne sais pas comment ça veut dire. Ça veut dire que c'est nul, c'est zéro. C'est même pas vrai, mais. Hein? Donc il y a des gens, ils ont des femmes comme ça, mais hors des mariages. Il y en a que non, Moussafi, bon, il est passé quelque part là-bas, il a vu, bon, il a donné l'argent, puis il est sorti, il est rentré, il est sorti de l'autre côté, il est parti, c'est pas ça. Donc quand on donne l'argent à cause d'une femme là, il y a trois cas. Il y a cas du mariage, Allah dit morsinine. Deuxième cas, c'est de rentrer et sortir là-bas. Hein? On ne te connaît pas. Ça c'est le deuxième cas. Troisième cas, tout le monde sait que les deux la vivent ensemble, mais ils ne sont pas mariés. Ce n'est pas dans ces cas comme ça. Mais Allah dit, que ce soit dans un contrat de mariage. Naam. Voilà mutakhidi akhdar. Allah dit, وَمَنْ يَفُرْ بِلِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Celui qui renonce à sa foi. Ah donc, toutes ses œuvres sont vaines. Naam. وَمَنْ يَفُرْ بِلِيْمَانِ. C'est-à-dire, tu es musulman, tu as fait 100 ans, tu es musulman. Un jour, tu dis que tu n'es plus musulman. Ta prière, tes adorations des saints en sont nulles et non effectives. Celui qui nie à sa foi, toutes ses œuvres sont perdues. Non. Toutes ses œuvres sont annulées. Méfiez-vous des actes. Parce qu'il y a des actes qui annulent la foi. Il y a beaucoup des actes qui annulent la foi que beaucoup de musulmans ne savent pas. Inch'Allah, prochainement, on va avoir le temps pour donner les actes même qui annulent la foi. Alors, du moment où il y a pour l'imam, celui qui nie sa foi, ses œuvres sont vaines. Alors, Wahoua fait l'akhirat et minal khasirin, le jour de la résurrection, il sera parmi les perdants, qu'Allah nous en préserve. Donc, voici, on a donné quelques conditions pour épouser une femme chrétienne. Pour terminer, d'autres conditions, il faut que l'homme qui va épouser la femme chrétienne là, il faut que l'homme là soit quelqu'un qui maîtrise, qui a compris, qui est bien formé en islam. Parce que si la femme est plus douée dans sa religion que l'homme, la femme là va détruire l'homme là. Donc il faut que toi tu sois capable de convaincre la femme. L'objectif c'est ça. C'est pour que la femme là, à la longue, peut comprendre l'islam. Et puis, c'est converti. Parce que c'est facile. Je vous ai dit plusieurs fois. J'ai dit, un chrétien sincère là, il va devenir musulman. Wallah.
S'il a eu l'occasion, hein, s'il a eu l'occasion qu'on lui donne des cours, il a compris. Il dit réellement, parce que ce qu'on leur dit à propos de l'islam là, c'est erroné, c'est pas vrai. Mais si elle a eu l'occasion de s'approcher, on lui a dit, voici comment elle vit avec un musulman, et avec des bons comportements. Elle dit, mais c'est ça, tout ce que Moïse a fait, ça y est dans la Bible. Lui-même, il va trouver que la religion de Jésus là, c'est la même religion de Mahomet. Il saura que Jésus même était musulman, et ça sera facile pour elle pour rentrer en islam. Mais si c'est elle qui maîtrise sa religion, toi tu connais rien, toi tu vas les rejoindre à l'église. L'objectif, c'est que la femme te rejoigne à la mosquée. Si toi tu n'es pas capable de convaincre la femme, toi là, tu ne peux pas épouser. Mais un imam comme ça, qui est capable de convaincre, lui, il peut faire. C'est ça, non? Voilà, donc si tu veux aller là, il faut te former d'abord. Sinon, si celle-ci, la femme te convainc, là, la condition n'est pas remplie. Encore, il faut que tu sois rassuré que tous tes enfants resteront des musulmans. Oui, il y a ça aussi. Sauf si c'est une femme qui ne fait pas d'enfants. Il faut te rassurer que tous tes enfants, pour dire que moi j'ai beaucoup d'enfants, bon, il y en a qui sont musulmans qui me suivent, il y en a qui suivent leur maman, tu es responsable. Si un de tes enfants va à l'enfer là, tu vas le rejoindre. Il faut que tu sois rassuré que tous tes enfants resteront des musulmans. On a vu des gens, après leur mort là, tous les enfants sont allés à l'église. Ça, ils n'ont pas compris. On a tenu un cas même où on allait avec le monsieur à la mosquée pour aller faire la prière. Après, la femme a réclamé le corps pour l'amener à l'église. C'est pas toi qui as commencé. C'est là où tu es terminé, c'est là que tu vas aller. On a prié sur toi à la mosquée. On t'a pas amené, on t'a pris pour aller à l'église, pour aller là où tu as terminé là. C'est là-bas que tu vas te retrouver. Il faut se rassurer de ça. Encore, il faut mettre vos héritages là. La femme n'est pas dedans. La femme ne peut pas t'hériter tant qu'elle n'est pas musulmane. Toi aussi, tu ne peux pas l'hériter tant qu'elle n'est pas musulmane. Il faut que ça soit clair. Mais ce genre de mariage, quand on fait, c'est pour aller à la mairie. Si tu fais ça, ça n'est pas permis. Parce qu'à la mairie, il n'y a pas question d'héritage musulman, non musulman là-bas. Donc, il y a trop de conditions. Ce n'est pas comme ça. Hein. Voilà. Quand on a dit c'est permis, tout le monde était content. Mais voici les conséquences. Quand on donne la bonne compréhension. Quand on est censé sur le droit chemin, Wallahu ta'ala, Allah, wa sallam, amin, Allah. Les questions après la prière. Inch'Allah. 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 Inch'Allah.